Et salut tout le monde, c'est 78 Kidbilly et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Je vais vous présenter un nouveau système Redstone que j'ai créé. Il s'agit d'un mélangeur musical géant, on peut aussi appeler ça table de mixage. Donc il comporte 18 voix différentes, ça vous offre des possibilités de musique quasi infinies. Chaque couleur représente une voix, on a au total 3 tours de 6 voix. Donc là c'est la partie piano, batterie, et enfin en basse. Donc ici c'est le tableau de commande où chaque manette représente une voix. On peut par exemple allumer ou éteindre la voix bleue qui est ici. Ça marche pareil pour toutes les voix. Et au quatrième côté on a un écran qui nous donne des infos en temps réel. Cette barre indique les voix qui sont allumées. Donc là il n'y en a aucune. Ensuite ces quatre lampes indiquent les temps. 1, 2, 3 ou 4. Et là ce compteur indique le numéro de la mesure. Et enfin, ces 6 carrés nous indiquent les différents états de mise en marche possibles. Alors malheureusement, les compteurs temps et mesure ne sont pas activés. En temps normal, ils marchent, mais de faire tourner la vidéo fait laguer le compteur, donc j'ai dû le désactiver juste le temps de tournage grâce à cette manette. Maintenant, je vais vous faire un petit exemple. Donc tout d'abord, pour commencer, il faut cliquer sur cette manette pour allumer le timer principal. Voilà, là le timer est allumé, mais il ne se passe rien car aucune voix n'est allumée. On va par exemple activer la voix violette, qui correspond à une grosse caisse de batterie. Et la grosse caisse est allumée. On peut ajouter la caisse claire. Et la charleston. Maintenant, on va mettre du piano et de la basse en plus. La musique. Voilà, vous voyez à peu près comment ça marche. Autre exemple maintenant sur une musique que tout le monde connaît, Radioactive de Imagine Dragons. Alors on va mettre au début de la basse un piano qui fait des accords et une grosse caisse. Il y a aussi cette manette qui permet de lancer un départ synchro. Là je l'ai activé, donc vous allez entendre le départ baguette. Voilà. Maintenant, je remplace le couplet par le début du refrain. Et voilà, ainsi de suite. Maintenant, je vais couper toutes les voix et je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors, la partie électronique du système est plutôt compacte puisque j'ai utilisé les blocs Wi-Fi. C'est la première fois que j'utilise le mode wireless redstone. C'est juste basé sur un récepteur et un émetteur. Ce qui évite les fuites de redstone partout. Mais vraiment ça rend le système beaucoup plus compact, performant et le jeu lag moins aussi. Donc si vous aussi vous faites de la redstone comme moi, je vous conseille de le télécharger. Ça peut être très utile. Donc ici on a la partie écran. Mais le plus important se trouve là-bas. Voilà, c'est le timer principal, très précis. Donc toutes les 4 mesures, une impulsion électrique est envoyée à l'émetteur Wi-Fi de fréquence 0, qui est ici. Là, le timer est coupé, alors je vais aller l'allumer. Donc là, on voit bien le courant électrique qui tourne et qui atteint l'émetteur au bout de chaque tour. Au début de chaque voix, on trouve un récepteur de la fréquence 0.
et on retrouve bien l'impulsion électrique toutes les 4 mesures. Donc c'est pareil pour toutes les voix. Par exemple, la voix jaune, alors elle est coupée car il n'y a aucun lien entre la voix et l'émetteur, car le piston est fermé. Si tu actives la voie jaune, le piston s'ouvre et le courant passe lors de l'impulsion. Il est ensuite transmis aux blocs musicaux. Vous pouvez au préalable régler chaque voix une par une grâce à ces manettes. Donc quand la manette est baissée, c'est que le bloc musical est désactivé. Donc la note ne sera pas jouée. Si vous voulez que je fasse des interprétations de musique que vous aimez bien, n'hésitez pas à me donner des titres dans les commentaires. Je pourrai l'interpréter grâce à cette machine et poster ensuite la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne 78 Kid Billy pour voir plein d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime. Ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Je vous dis au revoir et à bientôt.